Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial car je vais montrer pour ceux que ça intéresse comment modifier les textures, donc les textures de véhicules ou de tenues. Donc ma prochaine vidéo, je vais patrouiller donc en jet ski. Donc il me fallait un jet ski de la gendarmerie. Donc j'ai cherché sur internet tout ça et j'en ai trouvé un, mais c'est pas du tout le jet ski de la gendarmerie. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé ce jet ski là sur le site 5 mode, mais c'est pas du tout le vrai jet ski. Il ressemble pas du tout à ça, il ressemble à ça. Voilà, il est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier celui-là pour le faire ressembler au maximum à celui-là. Donc alors, comment modifier? Donc déjà, vous téléchargez celui-ci. Vous téléchargez, vous remplacez dans OpenCAD, tout ça, vous savez, je pense, vous savez faire. Hop, ça on va fermer. Donc vous ouvrez OpenCAD. Donc une fois que vous êtes dans votre fichier OpenCAD, donc le jet ski là, il est là, c'est celui-là, nous. Donc je vais vous montrer. Hop, pour le moment, il est comme ça. Voilà. Donc ça, on va le modifier. Donc pour modifier, tout se passe dans le fichier YTD. Donc vous double-cliquez ici. Vous sélectionnez la texture là. Vous cliquez dessus. Vous allez dans Export. Donc ça, on va mettre ça sur mon bureau. Hop. Et surtout, vous n'oubliez pas de modifier l'extension. Donc moi, je mets en JPEG. Parce qu'après, sinon, je ne peux pas l'ouvrir avec mon logiciel de montage photo. Hop, vous enregistrez. Voilà. Ça, vous fermez. Et là, vous ouvrez donc votre logiciel de montage. Donc moi, j'utilise GIMP. Vous pouvez utiliser Photoshop ou Paint. Enfin, Paint, c'est pas très pratique, mais bon. Vous utilisez ce que vous voulez. Et vous glissez l'image. Hop là. Donc à partir de là. Bah, c'est de la retouche. Donc, vous retouchez. Moi, je vais organiser mon truc mieux que ça. Je vais ouvrir ça à côté. Voilà. Comme ça, j'ai le modèle. Je vais zoomer un peu. Hop là. Donc là, c'est de la retouche. Donc, le plus dur, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui correspond. Par exemple, le gendarmerie en bas là, le bleu, il se trouve ici sur le modèle. Donc ça, c'est le plus dur à faire, c'est de voir chaque élément où il se trouve sur le véhicule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier tout ça. Donc je vais accélérer un peu cette étape parce que sinon la vidéo va durer des heures. Donc c'est parti.
Donc voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Mais bon, ça y est, j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc là, version GIMP. Et là, version OpenCAT. Donc on va aller voir ce que ça donne dans le jeu. Mais avant, je vais vous montrer comment faire pour enregistrer tout ça. Donc une fois que vous avez fini, donc vous avez dû le voir, j'ai fait plusieurs fois. J'ai été voir qu'est-ce que ça donnait, tout ça. Ça c'est obligé, hein. On ne peut pas faire un truc direct comme ça. Donc, il faut faire en fichier exporter sous. Donc là, on va aller chercher notre image qui était là. Hop, on exporte, on remplace. Bon, ça, on touche pas. On fait exporter. Ça, on ferme. Donc, on retourne dans le fichier YTD. On clique sur la texture. On fait remplacer. Hop, on va chercher notre image qu'on vient de modifier. Et voilà. Et là, vous faites sauvegarder ici. Hop là. Et là, normalement, vous avez votre fichier qui a été modifié. Donc alors, ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve dans le jeu et on regarde ce que ça donne. Et pour information, vous pouvez d'ores et déjà télécharger ce modèle là de JetKey sur le site de la Baroteam. Donc voilà, il est déjà en ligne, vous pouvez le télécharger, vous pouvez jouer avec. Il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve dans le jeu. Donc voilà, ça y est. Donc j'ai été chercher le véhicule. Donc vous voyez, il est là, tout beau, tout neuf. Donc on va aller l'essayer. Donc là je suis un peu dans le sable, je sais pas s'il va vouloir. Ah bah non, il a du mal. On va attendre la vague qu'elle nous emporte. Allez, 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 hop là, c'est parti. Donc vous voyez, hein. Donc il n'y a aucun problème dessus. Il ressemble pratiquement au vrai, à 2-3 détails près. Donc voilà, donc vous savez maintenant comment faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des soucis. Je vous répondrai. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec ce véhicule. Donc voilà, allez, salut!